need some water. Ah oui, on a besoin de boire. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour la survie du week-end. On continue notre petite excursion à Blackrock. Le caillou noir. Il paraît que l'histoire, c'est qu'il y a une grande mine, en fait, de charbon. Et du coup, c'est pour ça que cette région se nomme Blackrock. La pierre noire, en fait, le charbon, quoi. Voilà, vous aimez bien les petites infos comme ça. S'il faut, c'est des conneries, hein, au passage. Je vous le dis juste comme ça. En tout cas, on est de retour. Donc on est arrivé ici. Donc, ça, c'est notre zone. Donc, on est arrivé ici. On est par là. Donc, nous, on a fait ça. On a une autre entrée qui est par ici. De la région. Allô? What? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, je peux pas vous montrer, apparemment. Le monde est mort, apparemment. Ok, ça marche. Je voulais vous montrer, en fait, la vallée charmante et tout ça. Donc, en gros, il y a ça. Enfin, bref. Alors, de ce que je me rappelle, donc, on a un endroit pour créer des munitions et tout ça. Et c'est fermé par un code. Et bien sûr, on a récupéré le papier la dernière fois, disant que le code est dans une mine. Alors, si je me rappelle bien, je crois que Blackrock, il y a un passage souterrain. Le passage souterrain, en fait, bah, où on se trouve. Je crois que ça nous fait sortir de ce côté-là. Et on peut faire tout le tour comme ça. Et si jamais on veut aller à la mine, il faut suivre cette route. Et je crois que la mine, elle est de ce côté-là, ou par là, en fait. Par là. Elle est à droite de la région, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça vous va comme explication? C'est tout ce que j'ai pour le moment. C'est tout ce que j'ai. Donc voilà, on va se débrouiller. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se balader un peu. On est à 41,59. C'est très bien. On va poser le jerrycan à l'extérieur. On va poser quelques trucs à l'extérieur pour baisser notre poids. Mais ouais, on va se balader un peu dans... Waouh, super, on a un blizzard. Super. On a un blizzard, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, peut-être pas à côté du feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pèse lourd? Il y a un truc qui marche à côté de moi ou pas? Non. Vous voyez, là on sera à combien? On se met là. Là on subit moins 6, moins 7, ça augmente donc. Ouais, moins 8, ouais, ça augmente. Donc non, ça serait vraiment trop dangereux en fait de dormir à l'extérieur sans feu, franchement. Donc c'est déconseillé. Est-ce qu'on prend notre poêle à frire? Ça. C'est quoi ce bruit là? Ça me dérange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de bois. Ah, c'est bon, on va avancer un peu. Alors. C'est par là normalement. Ah, j'arrive pas à avancer, c'est bien. Voilà, très bien. Alors, de ce que je me rappelle, il y avait à l'époque un problème de lumière, je crois. Je suis plus trop sûr. Voilà, très bien, un peu de calme. Cool. Alors, en théorie, vous devez rentrer, je crois, dans le mode histoire, parce qu'il y a eu pas mal de petits problèmes. Quand je découvrais Blackrock, parce que les gens avaient fait l'histoire. Et il y avait d'autres. Je crois que c'est en bas. Enfin, il y a le bâtiment en fait en bas. Et les gens disaient qu'il fallait rentrer par une fenêtre ou un truc comme ça. Mais en fait, vous le faites ça pendant l'histoire. Et par contre, dans la survie, vous pouvez pas faire ça. Donc on peut pas avoir accès à tout le bâtiment. Donc voilà. Ça, c'est une chose à savoir.
J'ai plein de gens qui me disaient, oui, mais faut rentrer par la fenêtre, il y a une issue et tout ça et tout. Et on est allé en fait devant cette fenêtre. Parce qu'on peut aller sur le toit. Et on va le faire après. Mais on peut pas. En fait, il n'y a pas d'interaction à faire avec la fenêtre. Ok. C'est sympa parce que tous les tiroirs et tout, normalement. Enfin, c'est des nouvelles choses en fait. C'est des nouveaux containers, vous voyez que. La forme et tout ça, donc c'est bien en fait, le mobilier est différent, voilà c'est ça que je voulais dire. C'est que le mobilier en fait est différent ici, donc c'est plutôt sympa, plutôt cool. Eh ben... Ouais. C'est un peu triste tout ça. Strictement rien, c'est fun. Pas grand chose pour le moment. Après je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Je dirais peut-être au sous-sol. Comme ça on visite un peu. Parce que de toute façon là il y a une tempête, il y a un blizzard donc... on va pas trop se balader à l'extérieur. Évidemment. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, c'était pas très très concluant, je vais être franc. Ouais, pas super concluant. On va déposer ce qu'on a récupéré, genre là, les produits chimiques et tout ça. Et après on se casse. Bon après celui-là il est pas très lourd à chaque fois. Donc ça va, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça... Allez, go. J'ai bien envie de prendre... On verra ça plus tard. J'allais dire, j'ai bien envie de le prendre pour le lire, en fait, quand on aura un moment de repos. Mais... On va le faire plus tard. Allez, on rentre. On va visiter un peu le sous-sol. On va utiliser notre... Oh putain, elle est pas au même endroit. Elle est au même endroit? Non, je crois qu'elle était là, la lampe tempête. Allez, on va utiliser notre nouvelle lampe. C'est parti. Donc elle, comme j'ai dit, elle consomme beaucoup moins. Ça, c'est cool. Donc 40% plus efficace. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Pourquoi ne pas vider la première lampe? Parce qu'en fait c'est tout bête, parce que je me suis dit... Si jamais je veux récupérer le fuel de la première lampe, on la détruira. Comme ça on récupère pas mal de fuel, parce qu'il en reste beaucoup. Donc du coup ça a plus de sens d'utiliser celle-là, parce que celle-là va consommer moins. Et du coup... elle consomme moins. Simplement quoi. Voilà. Bon, on va plus ou moins tout prendre, et après je... Je ferai un truc. Tout simplement parce qu'elle consomme moins en fait. Voilà. Donc en vrai, j'aurais moins de. J'aurais consommé moins de fuel. Alors, je vais être honnête, la première fois que j'étais venu à Blackrock et tout ça, j'avais une bombe de peinture. Et j'avais genre peint. Les différents couloirs en fait avec des flèches et tout ça pour être sûr de jamais me perdre. Je vais être franc, c'est
pas si compliqué que ça. C'est honnêtement pas si compliqué que ça. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de le faire. Donc là, par exemple, je vais vraiment pas aller au bon endroit si on veut passer en fait la zone. Là, on fait juste un petit lieu pour voir s'il n'y a pas des choses. Pourquoi ça devient blanc là, comme s'il y avait quelque chose. Je sais pas. Après, si je me rappelle bien, il n'y a pas énormément de choses ici. C'est juste que, bah, si on a de la chance, on peut trouver des trucs, mais vite fait, quoi. Je sais plus si on a une bombe de peinture. Peut-être si on a une bombe de peinture qui traîne, je marquerai le chemin. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, je confirme que la lampe ne consomme beaucoup moins. Hein. Je confirme. Ça se voit même maintenant en fait. Il n'y a pas de danger non plus dans ces couloirs, donc ça va. Pas de loup qui traîne. Attends, on trouve absolument rien. C'est triste ça. Après, je suis pas allé dans les salles où il y a beaucoup de choses. Voilà, là par contre, ça peut-être. Ouais, peut-être là. Pas mal, pas mal. Ah, elle consomme tellement moins. C'est magnifique. Super. Faire du feu ici. Oh, je me suis bloqué. Oui, il y a plein de câbles, donc faut faire attention. C'est pour ça que c'est extrêmement déconseillé de venir la nuit. Ok, d'accord. Donc ne tombez pas dans le trou du vide là. Mon Dieu. De charbon là. Intéressant. On va descendre ici. J'ai l'air de m'être un peu perdu, mais vous inquiétez pas. Là, c'est le chemin normalement pour sortir, je me rappelle. Direction enfer. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette lampe. Quand on pourra, je vais la réparer à 100%. Juste parce que elle est cool. Juste pour ça, quoi. Ça sert à rien, mais juste pour ça. Tellement bien. Est-ce que je peux dessiner ou pas? Ouais, on aurait pas besoin. Alors, faut faire gaffe au barrage. Alors, ça, c'est un barrage, donc ça, c'est des rapides. Faut faire très attention parce que si vous tombez dans les rapides, vous mourrez instantanément en fait. Là, on peut passer par là ou alors on peut rentrer. Donc, vous mourrez instantanément dans les rapides, c'est très dangereux, extrêmement dangereux. Alors, après aussi, il y avait des problèmes avant. Je sais pas si ça a été corrigé depuis. C'est que il y a des endroits en fait à côté de la centrale. Il y a de la terre, mais vous passez quand même. Enfin, il y a du sol, mais vous passez quand même à travers. Alors, je sais pas si ça a été corrigé depuis. Je vais être honnête, j'ai pas trop envie d'aller vérifier. Mais voilà, faites attention. Vous approchez pas trop de l'eau en fait. Cool, café.
on va peut-être rentrer et poser tout ça. Je crois qu'on... Je sais plus si on peut descendre à la partie basse, là. Je vais être honnête, je me rappelle plus. Je crois pas. J'ai un doute. Toutes les échelles et tout ça sont bloquées. Mais je pense pas qu'on puisse aller en bas, en fait. Alors là, faut faire attention parce que je me rappelle qu'il y avait souvent des loups-gris. Et on va pas vraiment se balader dans le blizzard non plus. Hein. Mais par contre, il y a peut-être quelques petits trucs à récupérer. Peut-être des voitures, des trucs comme ça. Je sais pas si les portes, elles se ferment toutes seules ou pas. Est-ce que les loups gris sortent pendant les tempêtes ? Pas de chance. Évidemment. Je vais être franc, on n'a rien trouvé pour le moment. On n'a pas trouvé de... Notre réponse. Bon après c'est pas très dur. Faut faire gaffe parce que là on peut se faire mordre. Si on est trop proche du bord, on peut se faire mordre. Donc faites gaffe à ça. Ah, ils sont un peu excités, hein. Ils sont un peu excités, les loups gris, là. J'avoue que c'est pas le top top. On va aller... On va poser ce qu'on a. On va avancer un peu plus vite que d'habitude. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Bah, si le blizzard s'arrête, on peut faire le tour de la prison, en fait. Mais il faudrait que le blizzard s'arrête, parce que là, il a pas l'air de vouloir s'arrêter. C'est un peu le problème. Donc, normalement, nous, on doit aller tout droit, je crois bien. Mais on va visiter un peu là. Si on l'a pas... Ou alors, c'est peut-être le chemin, en fait. Ah! Sympa, sympa. Ouais, nous on a tourné directement. Vous voyez, c'est pas excessivement difficile, on va dire, de trouver le chemin. Mais bon. Si vous avez des problèmes avec ça, prenez bien sûr une bombe de peinture hein, et vous dessinez. Vous serez tranquille comme ça. Mais ouais, c'est un fait. Ne jamais descendre en pleine nuit. Parce que je crois que là c'est arrêt de mort en direct. Avec tous les câbles qu'il y a de tous les côtés, là c'est fini quoi. Oh, il y a encore... Une série d'escaliers. Oh, j'ai merdé. Je pensais qu'il y avait moins d'escaliers, en fait, non. Ouais, non, il y a ça encore. Ok. Je pense que là, c'est bon.
Très bien. On va déposer le surplus qu'on a. On va essayer de, bah, de rentrer un peu plus dans des... Ah, ça y est, ça s'est calmé. Parfait. Oh, il fait beau en plus. Parfait, nickel, 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 nickel. Alors, attends, ça. Je dépose. Ça, je dois. Très bien. Métal. Très bien. Ça. On est à 45. On essaye d'aller vite pour qu'on puisse fouiller un peu plus. Bois. Ah oui, le marteau, c'est pour ça. Ça c'est honnêtement c'est cool d'avoir trouvé un marteau. Vraiment sympa. Ok, let's go. Ouais, c'est vraiment cool d'avoir trouvé le marteau. Vraiment sympathique. Je crois que on doit passer par là, je crois. Je crois qu'on doit passer par l'arrière. Toute cette viande, il faudrait la récupérer. Peut-être que à la fin de cet épisode, moi je vais passer quelques heures à récupérer toute la viande. Enfin, quelques heures dans le jeu, bien sûr. À récupérer toute la viande. Faire aussi un tas de bois. Genre histoire que, voilà quoi, on soit prêt. Pas mal. Alors, pas mal, pas mal. Putain, il fait super beau. C'est super beau, on pourrait faire un feu. Oh là là, c'est tentant. Hein. Après, on a différentes cordes à des endroits comme ça. On peut les prendre, mais il n'y a pas grand chose la plupart du temps. Parce que là, on peut ouvrir. Ok, ok, on est bien là. Et ça marche. Monte. C'est vraiment pas haut, hein, donc ça va. Honnêtement, on risque pas grand chose. Je n'arrive pas à savoir qui vient et qui s'en va, même d'ici. Je dirais que c'est vide, mais je vais attendre un jour ou deux pour voir si la personne qui a traversé la rivière après moi allait elle aussi ici. Franchement, je crois que le coin est maudit, même un incendie n'y changerait rien. Let's go. Alors,
J'entends des pas, mais je suis pas certain. Alors ici c'est un bon endroit. Là les bâtiments, on va pouvoir rentrer dedans, je crois. Pas celui-là normalement, mais ça oui. C'est sympathique comme endroit, mais de l'autre côté en fait on peut pas venir. De ce côté on peut pas y aller, je crois. Vous voyez, c'est bloqué en fait. Ouais, c'est bloqué. Bon, à chaque fois il faut faire tout un tour en fait, vous voyez. Là il y a le loup. Là normalement je peux pas y aller. Ouais, il faut à chaque fois faire tout un tour. Donc c'est un peu un problème. Donc ouais, c'est un problème. Strictement rien. Allez, on rentre, on va récupérer ce qu'il y a. Alors. Ah, on peut, on montrera après sur toi. Allez, croisons les doigts. Espérons trouver des trucs bien, des choses bien. Potable. Ça c'est bien parce que du coup on n'aura pas besoin de faire de l'eau pendant un petit moment. Ça c'est vraiment bien. Ouais, on va être assez lourd donc on va devoir faire un aller-retour pour... un aller-retour pour se vider les poches. Moi j'aime bien l'endroit là comme ça ici, mais bon, comme j'ai dit, c'est un peu loin de tout et à chaque fois que si vous voulez faire des allers-retours dehors, rentrer, tout ça, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère quoi. Deux patates, très bien. Oh yes, poil, nickel. Ouais, ça c'est bien d'avoir un peu attendu être derrière en fait pour aller dans des dans certaines zones parce que là on a quand même des nouvelles choses et tout et ça se passe bien. Enfin après je vais dire on n'a pas trouvé de sel et, ou d'huile ou quoi que ce soit dans des tiroirs, des meubles et tout ça hein. C'est à chaque fois à l'extérieur donc bon, dans un sens c'est pas vraiment vrai ce que je dis. Ouais, vide. Attends, ça c'est vide. Mais on l'a déjà fouillé? J'ai oublié. Il y a rien en hauteur. Est-ce qu'on monte ou on se vide l'inventaire? On va monter. Normalement, il n'y a pas grand-chose de toute façon sur le toit. On peut chasser un peu, c'est loin par contre. Quand même loin, mais ouais, vous pouvez tirer ouais, si vous êtes bon. Vous voyez, genre là, là, si vous voyez les loups de là. Ça peut être une, ouais, une bonne chose. Voilà. Et là, on est au-dessus de l'infirmerie, en fait. Vous voyez, là, on peut pas y aller. Il y en a qui disaient qu'il fallait passer par cette fenêtre et tout ça. Bon, en fait, il n'y a rien du tout.
Je pense que vous pouvez descendre. Je vais être franc, je pense que vous pouvez... Si vous arrivez à passer... Ah ouais, peut-être. Je pense que vous pouvez descendre sans vous faire mal. C'est pas très très haut, hein. Je pense que ça marche. Le plus dangereux serait de... d'abîmer vos vêtements, en fait. Bon, ben voilà, une bonne zone de fête. On est à 49,20, ça va. Ah! Putain, c'est vrai qu'il y a toujours ce bug là. Mais t'es sérieux? Il y a toujours ce bug là, quoi. Non, mais putain. Winterland, quoi. Donc, ouais, ça, si je me rappelle bien, je crois qu'il était déjà à la base quand Blackrock est sorti. Je me rappelle un truc comme ça. Putain. Capable. Je suis désolé, mais non, 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 quoi. Merde. Blackrock est sorti il y a plus d'un an maintenant? C'était quoi avec l'épisode 4? Je crois que c'était le dernier épisode. Incroyable, quoi. Incroyable. N'importe quoi. Là, on peut pas normalement. Ah, ça me dégoûte, quoi. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas le jeu, genre, moi, il a mal été installé ou des trucs comme ça. C'est pas la première fois que le jeu, je le désinstalle et je le réinstalle. Donc, mode, sans mode. Enfin, voilà, c'est pas, hein, c'est pas mon installation. Hein. Juste le jeu, quoi. Par contre, ouais, je sais qu'il y a des... Il y a des loups qui rôdent dans les couloirs, là. Enfin, les sortes de couloirs. Ouais, là. Ouais, lui, il faut faire gaffe. Lui, il est très, très embêtant. Surtout que, je vais être franc, leur IA ont plus souvent... sont plus souvent à bugger qu'autre chose. Putain! Ouh, c'était sur le dos en plus. C'était un très mauvais tir. Vous voyez, cet endroit, c'est un traquenard. C'est ouf. C'est incroyable. Faut faire extrêmement attention à cet endroit-là. Parce qu'en fait, il vous flaire. Vous êtes obligé de vous approcher, donc il vous flaire, donc il va sur vous. Et du coup. Si vous tournez sans viser, il est directement sur vous. Et si vous visez, bah, il va vous foncer dessus. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde cet endroit. Bon, normalement, il n'y a peut-être que lui, je pense. Il y a beaucoup de pas, mais je crois que c'est lui qui tournait en rond. Ouais, je pense qu'on est bon. Vous voyez, c'est quand même, honnêtement, parcourir la prison et tout, je trouve ça super fun. Je trouve ça super cool. Et là, on peut monter. Bah, attendez, on va monter. Ah non, je peux pas monter. Je suis trop lourd. On verra ça après. On verra ça après. Je crois pas qu'on soit obligé de monter. Je crois que c'est une sorte de raccourci, c'est pour aller de l'autre côté. Alors peut-être sur les toits il y a des choses, mais. Je suis pas complètement certain. Ou alors on peut peut-être pas rentrer par les portes. Il faut absolument prendre le toit, je me rappelle plus de ça. Ah merde. Ah merde, t'es sérieux? Je crois que c'est pas vraiment par le toit.
Ah, c'est toute l'eau en fait. Il faut que je me repose aussi. Ouais, je crois qu'on va devoir prendre le toit. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir... Ah, ça passe. Ouais, non, dépêche. Si je me fatigue pas trop, je peux prendre la corde directe. On arrive avant. Je vais pas sprinter parce que sinon on va se fatiguer, mais si j'y arrive, on prend la corde directe, on monte. De toute façon, on a le sac de couchage sur nous, hein, donc on peut dormir où on veut. C'est pas vraiment un problème. La corde, elle est petite. Il suffit juste de vouloir, de pouvoir prendre la corde en fait. Ok, let's go. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Maintenant, ouais, maintenant on est dans le rouge. On va se balader un peu. Attends, on va dessiner en haut. Si j'ai bonne mémoire, je crois que le chemin que je suis en train de prendre, en fait. Là, on va rentrer dans le bâtiment et tout ça, et je crois qu'on va aller au sous-sol, et je crois que c'est là où on peut trouver le gilet pare-balles. Il y en a à fouiller. Oui. Ok, on a du matos à fouiller. Et après, c'est pour descendre, j'imagine. Oh, merde. Ah, c'est là! Ok, ça me fait un peu peur parce qu'en fait on est proche de la nuit. Donc ça me fait légèrement peur. Ah, fais voir un peu. Ouais. Bon après on peut dormir ici, hein, c'est pas grave. Je vais essayer de checker le plus possible sans la lumière, puis après si vraiment il fait très très sombre, j'allume. Je sais que j'ai pas remis du fuel dedans, elle est pas à 100%, mais elle consomme tellement peu. Donc on est vraiment tranquille, ça c'est vraiment fun. Par contre, je pense que le sous-sol est un cul-de-sac. Donc en théorie, on va devoir revenir, remonter et reprendre la corde et tout ça. Parce que je me rappelle plus ou moins avoir fait des allers-retours en fait avec la corde. Donc je pense que c'est pour cette raison-là. Surtout que le gilet pare-balles en fait est quand même très très lourd. Et du coup, je me rappelle avoir enlevé mes genre des vêtements et tout ça. Parce que c'est genre les vêtements en ours, c'est très très lourd.
Et fais ça en fait pour pouvoir reprendre la corde. Batte de baseball. D'accord, ça. Des fois, il y a des tiroirs comme ça qui sont recherchés instantanément. C'est très bizarre. Mais je suis impressionné quand même qu'un bug aussi vieux soit toujours là. Hein. Je suis quand même impressionné. Hein. J'ai envie d'aller regarder ma dernière saison, enfin les saisons d'avant là. En plus, j'avais fait une saison. Je crois que ça doit être la saison 7, peut-être. C'était celle que j'ai. Ou la suite de la 5, en fait. C'était juste pour BlackRock, parce qu'ils avaient rajouté BlackRock, du coup. Si je dis pas de bêtises. Et je suis certain qu'il y avait déjà ce bug. Aïe, aïe, aïe. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Donc ouais, vraiment. Après, j'ai envie de dire c'est juste un bug visuel, hein, mais quand même quoi. Genre après autant d'années, tu fixes pas le truc quoi, c'est incroyable. Incroyable. Alors, on peut déposer des choses. Sur le toit. Pour notre poids. Les pommes de terre, elles sont un peu lourdes. On va faire ça. Ça va, le reste est pas lourd. Est-ce qu'on a vu des vêtements supplémentaires? Non. Ça aussi, on vire. Okay, pas mal. Pas mal. La question, c'est est-ce qu'on descend maintenant ou pas? Par contre, je vais manquer un peu de nourriture, moi. On peut manger ça, boîte de sardines. On peut manger le surplus qu'on a, à la limite. Ça nous fera un peu de calories. Est-ce qu'il y a des massettes à BlackRock? Est-ce qu'il y a des massettes? J'ai un doute. Le sel, faut qu'on le dépose. J'ai bien envie de dormir, genre quelques heures, me réveiller en pleine nuit, descendre. De toute façon, que ça soit en plein jour ou pleine nuit, le truc sera noir, hein, le tunnel sera noir. La nuit, par contre, c'est dangereux à cause de l'électricité. Mais si on est en pleine nuit déjà, on fera juste attention. Parce qu'on peut les voir venir, les aurores boréales, plus ou moins. Ouais, non, mais là, on a un blizzard. Il y a très peu de chances. Extrêmement peu de chances qu'on ait. Le blizzard s'arrête et qu'on ait une aurore boréale. Donc, je pense qu'on est. On est tranquille. Ouais, honnêtement, je pense qu'on est tranquille. Il va pas avoir d'aurore boréale.
dans un sens. Tant mieux. Tant mieux d'avoir un blizzard. Alors... ouais, il y aura beaucoup de choses à check. C'est parti. On va faire salle par salle. Si jamais vous voyez des choses que je sais que certains d'entre vous ont des yeux encore plus attentifs que les miens, même si vous jouez pas, c'est incroyable des fois. Genre, des fois, des personnes me disent « Mais t'as pas appris ça, t'as oublié ça !» Et je regarde mon épisode, je re-regarde mon épisode, mais c'est genre pendant une fraction de seconde qu'on voit l'objet. Moi, ça me... Moi, je suis... Je sais pas. J'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à voir les choses. Des fois. C'est juste incroyable. Je crois que là, c'est la suite. J'essaye d'aller vite hein, quand même, hein, parce que... C'est pas parce qu'elle consomme moins que... Il faut consommer plus, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça... J'ai du mal à croire qu'on nous envoie de nouveaux prisonniers cette semaine, sans même parler du fait qu'on est en hiver, apparemment le directeur va ouvrir le bloc C, et c'est qui va devoir s'occuper de l'approvisionnement de toutes les cellules? C'est Bibi, je n'aurais jamais dû venir ici, je sais que j'avais des dettes, mais ça, ce n'est pas une vie, je compte les jours, c'est tout. Heureusement que le Timberwolf, même avec la tempête qui arrive, j'ai hâte d'essayer à nouveau d'atteindre le sommet. Heureusement, il y a le Timberwolf. Ah, le mec, il a voulu partir au sommet. Voilà. T'as dû mal finir, mon gros, mon poteau, t'as dû mal finir, mon Timberwolf. Ok, alors attendez. Juste le poids. En tout cas, on est très fatigué quand même. Ok. Ah, mais j'ai une bombe sur moi! What? Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu me racontes, là? What? 0%. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, le jeu? What the fuck? On n'a rien vu. Ça aussi. What the fuck? Je suis en train de me dire... Du coup, ça me prend pas de la... Du poids, ça? C'est quoi ce bug? Allez, on descend. C'est quoi ce bug chelou, là? Où on a une bombe, mais on n'a pas une bombe, et elle est à 0%. J'ai jamais eu ça, encore. Putain, c'est bien, on découvre des nouvelles choses tous les jours. Je crois pas qu'il y a énormément à vérifier à part trouver le gilet pare-balles. Normalement, il est par terre, je crois bien. Bon.
ça après. Je crois qu'il est en face. Ah, faut le mériter, hein, le machin. Hein. C'est vers tout un détour hein, pour l'avoir. Mais... J'aurais vraiment voulu que ça soit un peu plus utile. Le problème, c'est que... en fait, le problème, c'est les accessoires. Vous êtes limité à 2 accessoires sur vous. Et c'est ça, le problème. C'est un très gros problème, ça. C'est un très très gros problème dans le jeu, d'être limité à 2 accessoires. Et il y a des gens qui me parlaient dernièrement du travois. Genre, c'est possible que ce soit un accessoire qu'on équipe. Mais ouais, mais si c'est ça, c'est vraiment... Ça va vraiment être embêtant. Parce qu'on a seulement 2 emplacements. Et on a déjà des accessoires en fait qui sont extrêmement intéressants. Genre on a le sac déjà, ça on peut pas l'enlever tout simplement. Alors peut-être qu'il remplacera le sac. Le sac d'élan. Mais ça serait triste quoi. On est entré dans la réserve, il y avait des tas de choses plus que ce que à quoi on s'attendait. Vu l'état dans lequel c'était, les choses ont dû drôlement mal tourner. Et je ne crois pas qu'on ait été les premiers à passer par là. Je vais refaire le tour de la zone, histoire d'être sûr. Essayer de voir si tu ne peux pas trouver autre chose. Ça. La poudre à canon. Donc ouais, si c'est des choses qu'on met là, genre le travois, eh ben ça va être vraiment vraiment triste. Je crois qu'il est au fond du couloir le gilet pare-balles. Ouais, il est là. Ça va vraiment être triste. Et j'espère que ça sera autre chose. Bon, on va être lourd. Je pense que ça, lui, c'est peut-être le mec. Enfin, il a peut-être le même visage, je crois. Le gilet pare-balles Blackrock. C'est peut-être le mec qui est dans l'épisode 4, un truc comme ça, non ? Le mec avec une barbe. Il y a des trucs dans la caisse ? Non. Man, this pack is getting kinda heavy. On est à 52, faut que je regarde le poids exactement. On va remonter, comme ça on évite de gaspiller la lumière. Attends, on est où là? C'est encore un autre chemin ça? Bah oui, non, mais c'est là d'où je viens. Ouais, non, c'est bon. Attendez, j'ai un doute. Ça c'est où? Ouais, ouais, ok, c'est bon. On rentre. Ah, vous avez vu, on est même pas à 50% de la lampe, quoi. Ça tue. Magnifique, cette lampe. Magnifique. Ah, je suis content d'avoir trouvé cette lampe. Très, très content. Je sais pas si elle est unique ou pas. Ça, je voudrais bien une confirmation si elle est unique ou pas. Ou alors, est-ce qu'on a des chances d'en trouver d'autres? Ce serait cool. Même si, comme dans le Wikipédia, ils disent qu'elle éclaire un peu moins, honnêtement, ça m'embête pas plus que ça, parce qu'au final, je le vois à peine. Si jamais elle éclaire moins, honnêtement, je vois pas la différence, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, le fait qu'elle consomme genre 40% moins, mais c'est juste énorme, quoi. C'est pas pareil. C'est tellement efficace, vache. Ouais, c'est par là.
Donc ouais, honnêtement, si jamais ils sortent comme des gens parlent et tout ça du travois, si jamais ils sortent vraiment le travois et que c'est un accessoire à équiper, tout simplement, il faut au moins mettre 4 emplacements. Ou alors un emplacement exprès pour le travois, c'est tout. Parce que si vous allez gâcher encore, on va gâcher encore un emplacement pour quelque chose d'autre comme ça va être la galère, quoi. Parce qu'en plus, ils ont sorti du coup dernièrement la couche protectrice là d'intérieur. Donc si c'est pour ne plus l'utiliser déjà, ce serait complètement con, vous voyez ce que je veux dire? Que je vais pas ne pas utiliser genre le sac d'élan, c'est con. Si je pouvais, j'en mettrais deux, mais je peux pas. Mais voilà quoi, ce serait complètement débile de pas utiliser le sac de l'élan. Bon bah c'est bon. On a eu de la chance, il n'y a pas eu d'aurore boréale. On va mettre ça, on va poser ça. Enfin, on n'a pas vraiment besoin de poser les choses, honnêtement. Hop. Ouais, on va devoir faire un aller-retour. Ouais, totalement. Bon, on va dormir. Oh putain, oh la vache, quand on rentre à l'intérieur, on voit strictement rien, quoi. On va dormir et ce sera la fin de notre épisode. Oh, par contre, faut que je mange. Absolument que je mange, du coup, bah ça va y passer. C'est un peu bête que j'aurais bien voulu garder tout ça et le ramener, mais bon, c'est pas trop trop grave, ça va, c'est pas... Tiens, ça c'est à 98%, c'est bizarre. 5 j'ai créé en plus. Ça c'est chaud ça. Ah oui, alors fallait que je... Alors attends, ça... Même pas dessiné, vous n'avez pas de bombe de peinture. Très bizarre. Comme si on pouvait en fait utiliser la bombe de peinture, mais il faut en avoir une dans l'inventaire avec des pourcentages, quoi. Très bizarre. On va remplir ça. Ça va être un nouveau bug, encore une fois. Ok, on est bien. Ok, on va arrêter là. De toute façon, on va se reposer. Donc, ça va, mission accomplie. On a fait ce qu'on voulait. Donc, c'est-à-dire récupérer ça. Donc, 6 kilos. Je me demande s'il a été réduit le poids. Équipement utilisé par les forces de l'ordre. Il protège très bien, mais pèse très lourd. Inutile de songer à faire la course en le portant. 6 kilos? J'ai l'impression qu'il pesait plus avant. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il pesait plus avant. 50% de protection et moins 40% pour sprinter. Je vois un peu, fais-moi rire. Ouais, vous avez vu ça? On ne peut pas vraiment courir. Là maintenant, on a blindage. Vous disposez d'un blindage. Le pare-balles vous octroie une protection physique exceptionnelle. Mais ouais, c'est... Mais après, je vais être honnête, je pensais que c'était plus lourd. Je pensais que c'était plutôt 10 kilos. 10 kilos plus. Là, c'est quand même que 6. Sur nous, quand c'est sur nous, ça pèse moins lourd. Parce que là, on est à 49-43. Si on fait ça. 50-87. Ouais. Ça fait quand même très lourd. Hein. Ça fait quand même extrêmement lourd. Mais j'avoue que c'est peut-être intéressant maintenant. Bon, après, on peut pas vraiment se sprinter, rien. Après, est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien, franchement. On arrive à 40, 89 de protection. Ah oui! Attendez, il a des pourcentages. Je crois qu'on peut pas le réparer. Je pense pas par...
Je pense pas que ça soit parce que il est à 100%, mais je crois qu'on peut pas le réparer. Je crois que ça, c'est un des problèmes du gilet pare-balles. Ouais, on va s'arrêter là, de toute façon. Je vais aller me renseigner sur le gilet pare-balles pour voir s'ils l'ont pas changé ou je sais pas trop quoi. Pour être sûr. Mais je crois qu'il s'abîme. Après, je peux dire des conneries peut-être, mais je pense qu'il s'abîme et qu'on ne peut pas le réparer. Je vais aller me renseigner. Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'on pourrait l'utiliser maintenant que je vois notre poids, qu'on est à 45 tout le temps. Ouais, pour chasser élan et ours et tout ça. J'avoue que vu que maintenant on a pris l'habitude et on sait comment mieux s'équiper pour être très léger. Genre par exemple, vous savez, ne pas avoir le même pantalon, des trucs comme ça. On a quand même réduit notre poids et puis maintenant on peut. Ouais, on pourrait peut-être l'utiliser. On verra. On verra, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. On va faire 8 heures. Ciao, ciao!